Selon l'ONG Oxfam, en 2017, les plus riches ont accaparé 82% de la richesse mondiale. Ah bah oui, mais il y a des gens qui vont vous dire, ah oh bah oui, mais c'est normal, hein. Bah, avec tous les adages et les proverbes, on ne prête qu'aux riches, l'argent appelle l'argent, c'est normal. Ah, on t'explique que c'est normal, hein. Le libéralisme à fond. Ouais, on y va, on libère tout, ouais. Comme ça, il y a des gens qui gagnent beaucoup de pognon, tu comprends? Et après, il y a la théorie du ruissellement. Ils ont essayé de nous expliquer cette vieille théorie. C'est-à-dire, plus tu gagnes du pognon, et plus le pognon dégouline, et puis nous, les pauvres, en bas, ben, on récupère les... même pas les gouttelettes. Puisque en haut, ils planquent leur pognon dans les paradis fiscaux, dans les fonds de pension, ils font de la rétention, et du coup, ça circule même plus le pognon. Du coup, nous, on récupère la sueur des gouttelettes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, mais merde, on est con, mais j'y avais pas pensé. Mais vous non plus, mais vous êtes bêtes à bouffer du foin. Il faut devenir riche. C'est la solution. Tant on est étourdi, des fois, on pense pas au. À l'essentiel, on est con, mais on est con, mais qu'est-ce qu'on est con, nous les pauvres. Ah ouais, mais attends. Comment on fait pour devenir riche, hein? Il faut planquer ton pognon. Ah ouais, mais on n'en a pas du pognon, justement. Oh putain, c'est compliqué. Excusez-moi, je vais prendre un cours d'économie parce que là, ça me dépasse.